Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé du bon temps parfumé. Je voulais m'excuser de ne pas avoir été là sur les réseaux sociaux. J'ai eu un petit souci, je me suis tordu la cheville, là ça va un peu mieux. Mais on fait aller. Et il fallait à tout prix que je tourne cette vidéo. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mes chats qui s'amusent. Alors faites comme moi, prenez de quoi boire, manger, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, un petit thé au miel. Et on décolle tout de suite pour la plein de parfums. Allez, go! La marque que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la marque Essentiel Parfum. Un très beau packaging, éco-responsable, avec le kit d'échantillon, avec les 8 nez, là c'est bien, comme on n'a pas à les chercher. Et leur devise, nous avons fondé Essentiel Parfum avec un esprit rebelle. Proposer de la haute parfumerie à un prix abordable en donnant carte blanche aux meilleurs parfumeurs du monde pour créer sans aucune contrainte en utilisant des ingrédients naturels et durables et de premier choix. Le tout présenté dans un packaging éco-responsable comme nous sommes attentifs à l'impact de nos produits sur l'environnement et croyons que la beauté durable est essentielle. Et à l'intérieur, il y a une petite définition. Ils disent essentiel, l'essence absolue de la nature fondamentale caractérisé par l'absence d'éléments superflus, contenant l'essence d'une fleur ou d'une plante absolument indispensable. Le kit, il y a 8 échantillons et il est au prix de 19 euros, si je me rappelle bien. Le premier, c'est Nice Bergamote ou Nice Bergamote, je ne sais pas comment on dit, et il a été créé par Antoine Maisondieu. Alors, Nice, je veux dire Nice. Nice Bergamote, il a des accords d'agrumes, boisés, de fleurs blanches, épicé frais, fleurs jaunes, aromatiques, florales et sucrées. Nice Bergamote d'Essentiel Parfum est un parfum espéré d'aromatiques. Tous les parfums sont engenrés. Il a été lancé en 2018 et comme je vous ai dit, le nez est Antoine Maisondieu. Alors bien sûr, on trouve de la bergamote, du jasmin, de l'ylang-ylang, du cèdre et de la fève tonka. La bergamote, l'ingrédient principal de ce parfum, apporte ce côté vert vivifiant au parfum. Le jasmin a deux facettes, un jasmin blanc, floral blanc, et un jasmin solaire qui est mélangé avec de l'ylang-ylang. Le cèdre, qui donne ce côté boisé au parfum. La fève tonka, qui apporte aussi ce côté sucré, mais aussi boisé au parfum. C'est un parfum qui est magnifique. Pourtant, moi j'avais un peu peur quand j'ai vu qu'il avait des notes sucrées. Mais non, il n'est pas trop sucré. Et puis voilà ce qu'il faut. C'était le Nice Bergamote. Et celui-là, le Nice Bergamote, il marque qu'il est composé à 92% d'extraits naturels. Ensuite, on passe au Rose Magnétique, qui a été créé par Sophie Labbé. Le Rose Magnétique, il a des accords de rose, d'agrumes, de vanille, des accords boisés, aromatiques, tropicales, floral, épicé frais, vert et frais. Rose Magnétique, l'essentiel parfum, est un parfum ambré floral non genré, lancé en 2018 par Sophie Labbé. En note, vous allez avoir de la rose de Turquie, de la rose, du litchi, du pamplemousse, de la vanille, de la menthe, de la fève de tonka et du cèdre. On sent bien la rose. Le litchi, on le sent, mais il n'est pas du tout présent. Il n'est pas envahissant, il n'est pas sucré. Le pamplemousse, on le sent à l'ouverture, ça donne ce côté vivifiant. Une rose qui vient de s'éclore à la rosée. La vanille en fond, on la sent. Ça donne ce côté légèrement sucré, régressif. La menthe avec l'ouverture du pamplemousse, on la sent très bien. Ça donne un cocktail vitaminé. Et en fond, vous avez avec la vanille la fève tonka qui donne ce côté sucré mais sans trop l'être. Et le côté boisé, il est apporté par le cèdre. Et c'était Rose Magnétique. Et celui-là, il a été créé par Sophie Labbé. Le prochain, créé avec 89% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est Mon Vétiver. Et il a été créé par Bruno Jovanovic. Ah ouais, celui-là.
Je dirais qu'il tire plus sur le masculin, mais vous me connaissez, il n'y a pas de parfum d'homme, il n'y a pas de parfum femme. Alors, il est aromatique, boisé, épicé frais, des accords d'agrumes et terreux. Mon vétiver d'essentiel parfum est un parfum boisé aromatique non genré. Il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Bruno Jovanovic. Pour moi, on dirait qu'il y a de la menthe dedans. Ah, pas du tout. Il y a du citron vert, de la lavande, du gin, du genévrier, du bois de cachemire, du patchouli, de la gensagne et du vétiver d'Haïti. Comme quoi, le nez trompeur, moi, je chantais bien la menthe. Le gin, le citron vert, la lavande apporte, et le genévrier apporte tout ce côté aromatique au parfum. Puis, nous avons le vétiver d'Haïti qui est en cœur, qui donne ce côté boisé sec. Et en fond, le bois de cachemire qui adoucit tout ça. Le patchouli qui donne un peu plus de corps au parfum, même s'il n'y en a pas besoin. Et la gentiane qui donne ce côté légèrement fleuri. Et très beau parfum, mon vétiver. Par contre, le seul point négatif, c'est que les échantillons sont durs à enlever du kit d'essai. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Maintenant, on va passer à Orange Chantal, qui a été créé par Nathalie Gracia Seto. Alors, Orange Chantal, bah, comme son nom l'indique, orange, bois de Chantal. Il y a des accords boisés, d'agrumes, épicés frais, aromatiques, frais, de mousse de chêne, poudré, vert, épicé chaud. Magnifique parfum. Orange Chantal, d'essentiel parfum, c'est un parfum inspiré des aromatiques non genrés, lancé en 2018. Je crois que tous les parfums ont été lancés en 2018. Et le nez derrière ce parfum est Nathalie Gracia Seto. Alors oui, vous avez de la bigarade en tête qui apporte ce côté ben, orange. En cœur, vous avez du cyprès et du basilic, qui donnent ce côté rafraîchissant. Et en fond, du santal d'Australie et de la mousse de chêne, qui apporte ce côté boisé. Des magnifiques oranges Chantal. Je pensais que ça allait être plus laiteux que ça, mais non. Au contraire, il n'est pas du tout laiteux. Parce que des fois, le santal, il a tendance à un peu trop être laiteux et trop crémeux. Mais là, c'est une bonne découverte, oranges Chantal. Et celui-là, Orange Chantal, il est à 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Et mon vétiver à 89, je sais pas si je vous l'avais dit. Ah, je galère avec leur site, leur kit. Mais c'est le seul point négatif. Là, on va passer à Divine Vanille, qui a été créé par Olivier Pécheux. Alors, c'est un parfum avec des accords de vanille, épicé chaud, ambré, floral, aromatique. Balsamique baumé, boisé, de cannelle, poudré et d'épices douces. Ah oui, là c'est vraiment la vraie vanille. Divine Vanille d'Essentiel Parfum est un parfum ambré vanillé non genré lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Olivier Pécheux. Les notes de tête sont cannelle, sauge clarée et poivre noir. Les notes de cœur sont encens, osmanthus et pomarosa. Je crois que c'est une variété de rose. Les notes de fond, vanille de Madagascar, fève tonka, benjoin de Siam, cèdre du Texas, musc et patchouli. Alors, en tête, en ouverture, on sent bien la cannelle. On sent la sauge qui donne ce côté aromatique vert. Le poivre donne ce côté piquant, parfum. En cœur, l'encens donne ce côté fumé à la vanille. On est sur un contraste de vanille fraîche, vanille épicée, et de vanille sucrée, et de vanille fumée. L'osmanthus apporte ce côté un peu fruité de pêche, d'abricot, excusez-moi. La pomarosa, ben, je ne détectais pas, comme c'est une note que je ne connais pas. En fond, la vanille de Madagascar, très bien. La fève de tonka apporte ce côté sucré aussi au parfum.
Le benjoin, il apporte ce côté aussi résineux, encens, ambré. Le cèdre apporte ce côté plus sec à la vanille. Le musc, il apporte ce côté plus doux. Et patchouli, un peu plus terreux. Et c'est une vanille, c'est une très bonne composition de vanille. Ensuite, le prochain parfum a été créé par Kaïs Becker et c'est The Musk. Bien sûr, je vous mettrai en barre d'infos le lien du coffret d'échantillons. Alors, The Musk, essentiel parfum, non genré, musqué, poudré, lavandé, épicé et chaud, avec des extraits de cire d'abeille, des arômes principaux. Boisé, animal, mielé, aromatique. The Musk de l'essentiel parfum est un parfum floral musqué, boisé floral musqué, non genré, lancé en 2018, le nez et Kaïs Becker. Dedans, en tête, vous allez retrouver du gingembre et de la lavande, qui donnent ce côté frais à l'ouverture du parfum. En cœur, vous allez retrouver de la cire d'abeille, qui ont ce côté légèrement mielé, et en fond du bois de santal légèrement crémeux et du musc blanc. Ah oui, ce musc, magnifique, le The Musk de Kaïs Becker. Même si ce n'est pas mon genre d'odeur préférée, l'odeur de musc, surtout le musc propre, le musc blanc, celui-là, il est pas mal. L'avant-dernier. C'est Bois Impérial. Je ne vous ai pas dit The Musk, il a été créé avec 88% d'ingrédients d'origine naturelle et la Bois Impérial, 93%, et il a été créé par Quentin Biche, un très bon créateur de parfums, très connu, très célèbre, à qui on doit le Delina exclusif, Delina la rosée. Ben, pourquoi je ne me suis pas tourné avant dessus? Il est magnifique. Ce côté boisé, j'adore. Il a des accords boisés, épicés frais, aromatiques, doudes, terreux, ambrés, verts et épicés chauds. Bois Impérial, l'essentiel parfum, est un parfum aromatique boisé, non genré. C'est un nouveau parfum. Il a été lancé en 2020 par Quentin Biche. Alors. Dedans, en ouverture, vous allez trouver du basilic et de l'ambroxan. Et du poivre de Timor. En cœur, vous allez retrouver du bois d'acagaïa et des notes boisées. Et en fond, du vétiver et du patchouli. Et patchouli, comme j'aime, très bien dosé, pas écœurant, pour un sou, j'adore. Ah ben, Bois Impérial. Je vous le conseille, là, si je vous dis, c'est le type d'échantillon qui est à 19 euros ou 18 euros. Mais les flacons 50 ml ou 100 ml, ils sont pas si chers, je crois qu'un flacon 100 ml chez Essentiel Parfum, ils sont à 75 euros, si je ne me trompe pas. Et le dernier. Alors celui-là, on m'a dit qu'il n'est pas. Ben, sur moi, il a tenu toute une journée. C'est le Fig Infusion, qui a été créé par Nathalie Lorson. Et celui-là, il contient 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Oui, j'ai eu, comme j'avais posté sur Instagram, on m'a dit, celui-là, il ne tient pas sur moi. Bien sur moi, il a tenu toute la journée. Alors, il a des accords sucrés, fruités, boisés, agrumés, verts, de fleurs blanches, épicés chauds et poudrés. Alors, Fig Fusion d'essentiel parfum, c'est un parfum non genré, fruité, excuse-moi. Il a été lancé en 2022, c'est la dernière création d'Essentiel Parfum, et le nez de ce parfum est Nathalie Lorson. Alors bien sûr, en tête, vous allez retrouver de la mandarine qui apporte ce côté déjà vivifiant et vert au parfum, qui est mélangé avec du thé noir. En cœur, un mélange de figues et de fleurs d'oranger. Très bon mélange. Et en fond,
du bois de santal et du benjoin, qui apporte ce côté légèrement crémeux et un peu épicé, un peu encensé avec le benjoin. Voilà, une petite grenouille. Ma revue sur Essentiel Parfum est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'aura pas été trop brouillon. Je vous montre le packaging. Hop. Hop là. Comme je vous ai dit, je crois qu'il est à 18 ou 19 euros. Vous avez 8 échantillons de 2000 litres dedans, ce qui vous fait 16 minutes de parfum. C'est assez pour tester la collection Essentiel Parfum. Sur ce, une citation qui vient de Niki Doll. Vous savez qui c'est Niki Doll? La célèbre drag queen française qui présente Drag Race France, qui a dit que le parfum n'était pas la continuité d'un vêtement. Sur ce, ma petite grenouille, je dis que je vous aime très fort. N'oubliez pas, avant de quitter cette vidéo, de laisser un pouce en l'air si vous l'avez bien aimé, de mettre un pouce en bas si vous ne l'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi, c'est constructive. D'appuyer sur le bouton s'abonner qui va se trouver par là et d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification pour être sûr de louper aucune vidéo qui vont paraître ces prochaines semaines. Sur ce, mes grenouilles, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente parfumée, je dis une excellente semaine parfumée, je dis que je vous aime fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle revue. Bisous mes grenouilles, mouah.